David n'avait que sa fronde pour affronter le géant. Mais c'est une foi profonde qui guidait son cœur d'enfant. Oui, il savait que l'Éternel sauverait par lui Israël. Sans trembler d'une main sûre, l'enfant que Dieu dirigeait fit une mortelle blessure au géant en un seul jet. Oui, c'est ainsi que l'Éternel a délivré Israël. Josué n'avait que sa foi pour faire tomber Jéricho. Ses trompettes cette fois résonnèrent de leur écho. Oui, la louange à l'Éternel fit tomber les murs rebelles. Dieu dit, Daniel parle au roi, livre-lui mes intentions. Mais le roi n'aima pas ça et il le jeta au lion. C'est le courage de Daniel dont s'est saisi l'Éternel. Que nous, Dieu ne rejette personne, nous l'implorons à genoux, lui répondant.